Merci. Merci beaucoup. What is that film that's sort of up for the big prize on films? It's about somebody who is born old and gets young. Well, I feel my talk is going to be like that. Everybody said everything I'm going to say. Anyway, pas exactement, mais lors de notre 20e anniversaire d'ouverture, il me semble propice de commencer avec le pourquoi du CCA. À l'origine de la fondation du CCA, il y avait tout d'abord ma fascination en tant que sculpteur pour l'architecture et sa représentation. Cela s'est traduit par mon implication dans le projet Seagram dès 1955, alors que je commence à collectionner des dessins d'architecture pour comprendre qu'est-ce que c'était l'architecture à travers des siècles. Il n'y avait pas beaucoup de documents, évident. Ensuite, des photographies dès 1974, et ma collection de livres a débuté de façon systématique en 1978, et ce en vue d'un centre d'architecture qui n'était pas encore désigné. C'est donc en 1979 que le CCA s'est établi comme un organisme. Ce fut en premier lieu un centre de recherche, mais étant polémiciste et activiste, il m'est rapidement apparu essentiel que ce centre diffuse des idées auprès du grand public. En effet, je voulais m'assurer que l'architecture soit comprise, que les édifices soient vus comme des portraits de famille, si vous voulez, que l'on y découvre la motivation de chaque membre, et peut-être ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, qui la compose. Peter Rose utilisera plus tard la métaphore d'un musée d'histoire naturelle où l'on apprendra au sujet des espèces, et une fois qu'on serait sorti, on reconnaîtra chacun d'entre elles. Cependant, ces mêmes espèces étaient en train d'être détruites, non seulement ici, mais à l'échelle internationale. Il devenait primordial de créer un centre au sein duquel les idées véhiculées par l'architecture seraient toujours présentées et débattues pour que le présent bénéficie des leçons du passé, que le passé informe le présent et que l'histoire de la connaissance approfondie nourrisse le futur. C'est ainsi que nous pourrions créer et conserver non seulement des villes décentes, mais également de grande qualité. Le CCA a été créé, comme vous le savez, non, vous ne le savez pas, parce qu'on parle toujours de 20 ans, mais c'était il y a 30 ans, en 79, en ce sens. Le CCA est un centre international de recherche et un musée créé avec la conviction que l'architecture est d'intérêt public. En l'espace de 10 ans, de 1979 à 1989, avant que nous étions ouverts au public, nos collections se sont enrichies. L'exposition d'ouverture, l'architecture et son image a démontré de la richesse, de la profondeur et de l'interaction entre les livres, les estampes, les dessins, les photographies de la Renaissance jusqu'à nos jours. En se basant sur ces collections, le CCA a organisé des activités qui consistent en des programmes publics comprenant des expositions, des publications, une librairie, des colloques, les conférences publiques et des films, des ateliers pour les enfants et les jeunes, ainsi qu'un centre de recherche avancé. Toutes ces activités constituent le programme de notre édifice, complexité de l'institution, comme moi je croyais que Peter Rose allait le souligner, mais il n'a pas souligné. Il disait toujours, je ne sais pas combien de bâtiments, un théâtre, et qui s'exprime dans le jardin de Milton Charney. Le CCA is unique as a small place concerned with the many aspects of a focused subject and a collection that rivals famous libraries established as single institutions, the Reba, Avery, Columbia University, photographic collections at two or possibly three museums, and the archives of state collections. Furthermore, the CCA is the only place devoted to architecture whose collection is not national, but international.
From the beginning, the goal of the CCA was to be a leading voice internationally and locally in advancing knowledge, promoting public understanding, and widening thought and debate on the art of architecture, its history, its theory, its practice, and its role in society today. Our mission and our goals have remained constant, but along with society, our modalities and actions have evolved. It's intriguing to raise the question, at what points in the evolution of society and of institutions does change become evident? This question is, of course, one we all ask in the light of the extraordinary change in current political culture in the United States. I'd like with you to trace this question of change at the CCA over the last 20 years. If we look at the evolution of the CCA's research center, its evolution is quite clear. But like all change, it has moved not in one smooth line, but in jumps. A research center was conceived of as part of the CCA in order to follow the lines of investigation that the collections could feed. And the CCA believes that scholarly research has profound cultural implications and that scholars themselves bear social responsibility. Since its opening in 1997, you know, it took us a couple of years to catalogue our books and things, and through a jury of international scholars, the Study Centre has welcomed over 100 international scholars and 16 Mellon senior fellows from 22 countries, as well as over 80 Canadian and US student researchers. Dès 2001, nous sommes devenus récipiendaires du soutien généreux de la Fondation Andrew W. Mellon, W. Mellon, pour que l'éminente érudite se joigne chaque année aux chercheurs. Et en 2005, nous avons reçu des premiers étudiants diplômés au programme de recherche. Donc, le Prix Power Corporation du Canada, le CCA a accueilli des étudiants inscrits en maîtrise en architecture issus d'universités canadiennes. Les subventions de recherche dans la collection du CCA sont développées conjointement avec les programmes de doctorants en histoire de l'architecture de certaines universités aux États-Unis et en Europe. Les subventions en recherche du groupe financier Banque TD dans la collection du CCA sont développées conjointement avec les programmes de doctorants en histoire de l'art et de l'architecture des universités canadiennes. This mixture of scholars at all levels has greatly enhanced the intensity of research and the interchange of ideas at the CCA. They have all come together in the last 3 years so that from April through September, the CCA resounds with 30 to 40 researchers preparing their weekly seminars and projects. Alors maintenant, je vais parler un peu de l'évolution des expositions. Oh, I'm saying that in English, all right.